Aujourd'hui, on respecte un engagement qu'on avait pris non seulement envers l'hôpital, mais aussi envers la population. Madame Jérôme Forget aimait ça dire quand est-ce qu'il va y avoir une pépine dans la cour. Hein? C'était ça qui était important. Alors ça, on peut l'avoir aussi rapidement qu'en 2024. C'est vrai que cet hôpital est désuet. C'est vrai qu'il fait trop chaud aux étages. C'est vrai qu'on ne peut pas climatiser. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur élément vendeur pour attirer du monde. Puis c'est vrai qu'il y a des bouts de mur qui tiennent avec de la broche. Ça, c'est indéniable. Mais cette institution ne tient pas avec de la broche. Elle tient avec la communauté qui l'entoure. Bien, avec nous pour en parler, vous reconnaissez le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, qui est au bilan ce soir. Bonjour, M. le ministre. Merci d'être là. Ça fait plaisir, monsieur. Alors donc, parce que c'est vrai, là, c'est pas un mythe, il y a une façade, une partie de la façade de Maisonneuve-Rosemont qui tient encore avec la broche, là. Oui, ce qu'on appelle le cruciforme. Alors, c'était le temps qu'on fasse quelque chose parce que l'Est de Montréal le mérite, mais je dirais beaucoup les professionnels puis les employés. D'ailleurs, tout le monde était en accord aujourd'hui, là. Madame Plante, j'étais content d'avoir monsieur Marissal avec nous qui a été... qui a suivi le projet de très près depuis qu'il est député de Rosemont. Je pense que tout le monde, on sentait dans la salle là, qu'enfin, on peut commencer à vivre avec un nouveau projet qui va être bon pour le personnel aussi, hein, parce que c'est difficile d'attirer du personnel. Alors, je pense qu'on a vu dans la salle aujourd'hui des gens qui étaient très, très contents. Parce qu'on le rappelle, Maisonneuve-Rosemont dessert pas loin de 10 % de la population du Québec aux urgences, notamment, et puis bon, dans l'état de décrépitude actuel. Monsieur le ministre, pourquoi 10 ans? Je vous écoutais en début d'après-midi, puis bon, on a construit le CHUM en à peu près 10 ans à Montréal, qui était très complexe, en plein centre-ville. On a démoli Saint-Luc, bon, tout ça. Pourquoi 10 ans? On part d'un stationnement, là. C'est long, 10 ans. Pourquoi vous prenez 10 ans? Bien, moi, je me fie beaucoup... Vous savez, je l'ai dit aujourd'hui, mais je le répète parce que c'est important. La personne qui était responsable de la construction du CHUM, là, que vous venez de décrire avec la destruction de Saint-Luc, construire les hôpitaux alentours, les nouveaux buildings qu'on a aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-François Fortin-Vairot, qui était responsable du projet dans ce temps-là. Moi, je l'ai nommé il y a 2 ans comme PDG du CIUSSS de l'Est de Montréal. Et... pas pour rien, parce qu'on savait qu'on allait avoir quelqu'un qui avait besoin de faire Maisonneuve-Rosemont. Alors, quand Jean-François me dit que ça va prendre sensiblement le même temps que le CHUM, bien, moi, j'ai confiance en lui. Lui, il me dit 8 à 10 ans. Est-ce qu'on peut faire mieux que 8 ans? Ça va être difficile, parce que c'est comme, je vous donnerai l'exemple, quand on a fait Vaudreuil-Soulanges, qui est en train d'être construit, un autre gros hôpital, mais on fait ça dans un champ, on part de zéro. On n'a pas à tenir compte de... Les constructions actuelles, à quelle vitesse on fait, comment on travaille avec les gens sur place pendant qu'on déconstruit, c'est complexe. Moi, j'aimerais ça que ça soit plus rapide que 8 ans, mais M. Vairot nous dit que la meilleure estimée aujourd'hui, c'est 8 à 10 ans. Puis je pense qu'on regarde le CHUM aujourd'hui, c'est un projet qui fait l'envie de bien des gens et qui est réussi à attirer du personnel. Alors, je pense que pour ça, il faut faire les choses dans l'ordre. Mais vous admettez, au fond, que pour une population qui est desservie par un hôpital qui tient avec la broche, là, c'est long, 8 ans, c'est long, 10 ans. Les coûts, maintenant, M. le ministre, d'habitude... Mais juste une chose, M. Larocque, vous me connaissez. Oui, c'est long, c'est vrai, mais on a annoncé des mesures transitoires. Rappelez-vous que l'an dernier, en campagne électorale, on a dit qu'on allait avoir un mini-hôpital dans l'Est. Pourquoi? Pour désengorger les urgences. Okay. Et ça va arriver en 2025, pas dans 10 ans. Ça, c'est dans 2 ans. On a aussi, depuis l'été dernier, annoncé toutes sortes de mesures où d'autres PDG de Montréal sont venus aider aux urgences. Rappelez-vous, le président du syndicat a dit il y a 2 semaines, c'est le premier été qu'il n'y a pas de TSO à Maisonneuve-Rosemont. C'est quand même quelque chose, il n'y a pas de sens supplémentaire obligatoire. Fait qu'on va trouver des façons de travailler ensemble avec les autres PDG de Montréal pour enlever de la pression sur Maisonneuve-Rosemont pendant qu'on fait des autres mesures transitoires. Vous êtes un homme de chiffres, M. Dubé. Là. C'est un énorme projet, puis de mémoire d'homme. Je ne me souviens pas qu'une telle annonce, sans qu'on donne un coup, remarquez, c'est peut-être mieux de ne pas le faire parce que tout a tellement dépassé dans l'histoire du Québec. Mais donc, ça va coûter combien, le savez-vous, vous? Bien, écoutez, l'ordre de grandeur que j'ai dit aujourd'hui, parce que quand on dépose, cette semaine, on commence là. Donc, la première chose qu'on fait, on contacte les professionnels, puis on fait un appel d'offres de services professionnels, OK? Et on dit à ces gens-là, écoutez, là, c'est un projet, le coût
je vais l'appeler le coût de la coquille, la construction, destruction, tout ça, on parle d'à peu près 2 milliards. Pour vous donner une idée, la plupart des projets de cette envergure-là, quand on regarde le coût de la coquille, là, habituellement, c'est double, deux fois ou deux fois et demi ce coût-là, parce qu'il faut mettre les équipements dedans. Il faut prévoir les coûts de financement, il faut prévoir les coûts d'architecte. Alors aujourd'hui, moi, je veux me garder de la compétition, puis je dis aux gens qui vont soumissionner sur le projet, la coquille, c'est à peu près 2 milliards, c'est ça qu'on est prêt à payer. Est-ce que vous pouvez faire mieux? J'espère. Et c'est pour ça qu'on veut garder de la compétitivité dans l'appel d'offres. Le temps file. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. Nos propositions, questions-réponses, M. Dubé. Reprise des travaux parlementaires demain. Votre projet de loi créant l'Agence de santé Québec, ça reprend. Votre objectif, toujours, adoption en décembre? Ah oui, tout à fait. Puis même peut-être un peu plus vite. Ouais. On a eu une bonne session il y a deux semaines avec pendant 6 jours. Très bonne collaboration de l'opposition. Alors, moi, je pense que c'est possible de le faire à la prochaine session. Sans bâillon? Bien, j'ai dit que je ne fermais pas cette option-là, mais si j'ai la même collaboration que j'ai eue dans les deux dernières semaines, moi, je suis très encouragé. On constate, là, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, il y a de plus en plus de gens qui ont la COVID, qui recontractent la COVID. Vous le constatez, hein? C'est empirique, là, ce que je vous dis là, mais est-ce que ça commence à scintiller sur votre tableau de bord là, de manière sérieuse? Bien, oui, j'ai expliqué que... En ce moment, on a 900 personnes qui sont hospitalisées avec ou pour la COVID. La raison pour laquelle je fais la différence, c'est que c'est pas aussi grave que c'était il y a 2 ou 3 ans, mais il y a quand même pas mal de gens qui rentrent à l'hôpital pour une autre raison, un bras cassé, peu importe, mais qu'en même temps, on constate qu'ils ont la COVID. Okay. Alors, c'est quand même des mesures qu'on doit prendre pour ces gens-là pour ne pas qu'ils contaminent les autres personnes. Alors, c'est moins grave que la dernière fois, mais il faut en tenir compte dans la façon dont on traite les patients. Vous avez vu, parce que, bon, santé, services sociaux, là, Lionel Carman et votre ministre délégué, vous avez vu là, ces cas de surdose à Montréal d'opioïdes, ce qui est arrivé aussi, ce que la mairesse de Gatineau relatait, là, cette dame qui a accouché dans un parc, une itinérante il y a quelques semaines. La question de la santé mentale et de... les soins psychiatriques qui sont pas ou peu accessibles. Est-ce qu'il y aura de l'action à court terme de ce côté-là, justement pour une partie de la réponse au problème dont je viens de parler? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai confiance. Je connais bien Lionel Carman, qui est le ministre dont vous parlez. Il y a un séminaire cette semaine. Je pense que c'est pas plus tard que jeudi ou vendredi. Vendredi, oui. Alors, non, je pense que c'est sûr qu'on... On paye le prix de la pandémie, là, puis ça a eu un impact sur la santé mentale, particulièrement des jeunes, mais de toute la population en général. Mais je vous dirais que j'ai totalement confiance en Lionel qui va mettre les choses très claires dans ça. Là. En terminant, M. Dubé, évidemment, l'autre question de l'heure, mais Dieu sait qu'il y en a beaucoup de questions de l'heure en ce moment. Ouais. Bon, vous parlez souvent du personnel du réseau de la santé, là, qui son dévouement, qui tient souvent les choses à bout de bras. Dans un contexte de négociation, on ne peut pas faire abstraction du climat qui règne en ce moment. Dites-moi, la déclaration de votre patron, du premier ministre, vendredi, là, la labatte bleue, ne peut pas donner de la labatte bleue à tout le monde. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Bien, ça veut dire, puis c'est important de prendre juste quelques secondes pour ça. On a un enjeu du côté de la santé avec ce qu'on appelle les heures défavorables, c'est-à-dire les gens qui font du temps les soirs, les fins de semaine. On n'a pas de difficulté à se trouver des gens pour travailler le mercredi après-midi. Alors, ce qu'on a demandé à Mme Lebel de négocier avec les syndicats, c'est d'avoir ce qu'on appelle des heures différenciées, des payes différenciées pour les gens qui ont les horaires défavorables. D'accord. C'est très difficile pour un syndicat d'expliquer ça à ses membres parce que tout le monde veut avoir le même traitement salarial. Mais en ce moment, en santé, il faut faire la différence pour certaines heures défavorables. Puis ça, je pense qu'il faut que le syndicat évolue sur ça. Et c'est ce que Mme Lebel va tenter de faire dans les prochaines semaines. C'est ce que Mme Lebel appelle de la souplesse demandée des syndicats. Mais voilà. Bon, on voit vous voyez comme moi la réponse jusqu'à maintenant. Avant mais en même temps, il ne faut pas toujours se fier à ce qui se dit sur la place publique. Je pense que Mme Lebel discute avec les syndicats. Puis je crois qu'elle va faire avancer les choses dans les prochaines semaines. Ma dernière question, quelle est votre détermination à réussir ça, là?
les traitements différenciés selon les horaires? Bien, on n'a pas le choix, M. Larocque. Là. On l'a réussi pour les préposés aux bénéficiaires lors de la dernière convention. On a le même enjeu avec les infirmières en ce moment. C'est la même détermination qu'on a eue la dernière fois. Donc, quitte à l'imposer, M. Dubé? Bien, écoutez, on n'est pas là. Moi, je suis pas quelqu'un de, disons, de confrontation. Je suis plus quelqu'un de conciliation. Alors, je vais laisser Mme Lebel faire son bon travail. Christian Dubé, ministre de la Santé. Merci, M. Dubé, d'avoir été avec nous au bilan. Plaisir, M. Larocque. À bientôt.